Rappelle-toi qui est tombé, Nagara. Concentre-toi. Si tu utilises tous tes muscles pour manier ton katana, son poids va t'entraîner. Observe donc Azumi. La force ne vient pas des muscles, mais de la vitesse. Hein? Où est Azumi? Bah, c'est vrai, on ne la voit plus. Elle était là il y a encore un instant. Ah, ça lui arrive souvent de disparaître. Oh, hey, Azumi! 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 Je me demande où s'arrête le ciel. Bientôt, nous franchirons cette montagne. Et nous atteindrons le monde extérieur. Oui, c'est exact. Nous pourrons alors poursuivre notre mission. Nous resterons toujours ensemble. J'ai hâte de me défouler. Et de voir des filles. Où sont les étoiles? Je n'en vois aucune. On n'en voit pas dans la journée. Ah, les étoiles ne sortent que quand il fait nuit. Ouais. Où sont-elles pendant la journée? Pourquoi s'en vont-elles? Est-ce que ce n'est pas un peu trop cuit, maître? Le poisson de rivière a meilleur goût de cette façon. Quand il est tout brûlé? Nagara! Oui, maître. Tu es trempé, qu'est-ce qui t'est arrivé? On s'entraînait à se battre sous l'eau. Maître, il a encore perdu. Il est encore tombé dans la rivière. Alors aujourd'hui, tu es privé de repas. Pas de nourriture, pas de mission. Ah, tu n'as pas de chance. Bande d'idiots. Arrêtez. Venez, on va manger. Venez. Depuis peu, je commence à voir qui sont les plus forts d'entre nous. Nachika et Azumi sont les deux meilleurs. Azumi est rapide, Nachika est fort. Et puis, Ukiya et Yuga sont à égalité en numéro 3. Et nous autres, on est à peu près pareil. Hein? Moi, je crois que je suis un des plus forts. Tout le monde est d'accord? C'est votre seule réponse? Nachi, c'est joli ce que tu as là. C'est un porte-bonheur, et tu penses que ça marche? Ce genre de choses marche avec ceux qui y croient. Alors, ça ne me servira à rien. Parce que toi, t'es un singe. Tu peux parler? Toi, tu es tellement laid qu'on dirait un crapaud. Nous allons quitter cette montagne. Quitter cette montagne? C'est vrai, maître? Le temps est venu. Nous allons pouvoir accomplir notre mission? Oui. Nous allons tous ensemble accomplir notre mission! Le moment est enfin venu! Thank you.
Est-ce ton fils? Notre seigneur Tokugawa a gagné la guerre, mais les souffrances continuent. Il est temps de mettre fin à ces conflits destructeurs. Nous devons tout faire pour bâtir une nation où régnera véritablement la paix. Ce ne sera pas facile. Je doute que les Toyotomi acceptent de se retirer. Il est plus probable que le conflit et le chaos perdurent. Les ambitieux seigneurs de la guerre cherchent à s'emparer du pays. Tant que nous ne les aurons pas éliminés, nous ne connaîtrons jamais la paix. Des assassins, voilà la réponse. Il te faut réunir un groupe de maîtres assassins et les entraîner afin qu'ils exterminent tous les seigneurs aux intentions belliqueuses. Prêtre Tenkai. Moi, Gesai, je fais serment d'accomplir votre vœu. Azumi. Réveille tes compagnons et conduis-les dans la clairière. J'avais décelé votre potentiel quand vous étiez encore très jeune. Vos familles vous ont confié à moi. Je vous ai élevé. Et je vous ai formé tous les 10. Votre maîtrise des arts martiaux dépasse déjà largement celle des guerriers en activité. Vous avez vécu ici en ignorant tout du monde extérieur. Le moment est venu de vous y confronter en utilisant vos compétences pour accomplir votre devoir. Vous avez grandi ensemble. Vous avez été formés ensemble. Vous vous connaissez donc très bien les uns les autres et vous avez tissé des liens solides entre vous. Maintenant, choisissez votre camarade préféré. Faites des équipes de 2. Azumi ! Allez, viens là. Ah non, pas vous deux. Vous êtes prêts ? Écoutez-moi bien. La charge qui vous est confiée à présent sera pénible et rigoureuse. L'exigence en fait partie. Vous êtes des assassins. Un assassin ne choisit pas celui qu'il va tuer. En fonction de la mission qui vous sera confiée, vous devez être capable de tuer aussi bien un enfant qu'une personne importante et respectée. Un assassin doit être froid, il doit savoir se montrer inhumain. Dans ce but, je vous impose une dernière épreuve. Massacrez-vous. Tuez votre camarade préféré. C'est un ordre! Celui qui perd ce combat et qui y laisse sa vie ne méritait pas de participer à la mission qui nous attend. L'esprit faible qui ne parvient pas à tuer son ami ne mérite pas non plus d'y participer. Les vainqueurs devront revenir à la hutte après avoir achevé leurs camarades. Si vous tentez de vous échapper sans combattre, sachez bien que vous ne survivrez pas. En avant ! Thank you.
Ce sont les ordres du maître. On n'a pas le choix. À l'attaque ! Désir et d'accomplir ma mission. Je sais qu'il en est de même pour toi. Merci. L'un de nous restera en vie et poursuivra notre mission. Azumi, c'est notre destinée. Prépare-toi. Tu es devenue très forte. Nachi. Tiens, prends ceci. Quelle folie! Pourquoi avoir fait ça? Thank you.
Pourquoi? Je ne comprends pas! Alors c'est ça, un village? On va les aider. Maître ! Ne faites rien. Ne vous en mêlez pas. Mais pourquoi ? On pourrait facilement se débarrasser d'eux. Vous avez une mission très importante. Rien ne doit vous en détourner. Tous être massacrés. Sortez vos katanas que pour votre mission. Notre mission n'est-elle pas d'éliminer ces bandits? Maître. Pourquoi, maître? Expliquez-nous! Pourquoi vous ne nous avez pas laissé les tuer? Tuer une centaine de bandits ne suffirait pas à changer ce pays. Qu'est-ce qui t'amène? Ah, c'est le prêtre Tenkai qui m'envoie. Il m'a donné cette lettre. C'est pour vous. Bonne chance. Oh, il a disparu. Qui était-ce?
Nagato, un guerrier ninja. Tout au long de notre mission, il nous suivra. Parfois, vous le verrez, parfois non. Que dit cette lettre? Asano Nagamasa, Kato Kiyomasa et Sanada Masayuki refusent de considérer la bataille de Sekigahara comme l'ultime défaite des Toyotomi. Ils exigent que la conduite de la nation revienne au clan des Toyotomi. Ce sont trois dangereux rebelles qui menacent Tokugawa. Ils doivent être éliminés. Hé, toi, où vas-tu? Arrête-toi là. Cette jeune fille est toute seule. Tout va bien. Laissez-la. Bien. Elle est extrêmement jolie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu ne vois pas ce que je fais? Je pêche. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Tu n'as donc encore jamais eu l'occasion d'aller pêcher? Pourtant, c'est amusant de pêcher. Quand je pêche comme aujourd'hui, j'arrive à oublier toutes ces choses épouvantables qui se passent dans notre pays. Et si on attrape un gros poisson de cette taille-là, on est fier pour le restant de ses jours. Il suffit de quelques poissons pour se nourrir. Tiens, si tu as faim, tu n'as qu'à pêcher. Alors vous attrapez des poissons parce que vous voulez manger? Comment j'attrape des poissons? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de raison d'attendre pour le tuer. Bon, ça suffit. On y va. Oh, tu es très étonnante comme jeune fille. Comment est-ce que tu t'appelles? Azumi. Et quel est votre nom? Nagamasa. Asano Nagamasa, oui. C'est vous? C'est vous qui voulez la guerre? Tu es sûr de cela? Oui, maître. Le clan Asano refuse de reconnaître les faits. Pourtant, c'est une certitude. Nagamasa a été assassiné. Tous les hommes qui se trouvaient auprès de lui ont été tués également. Il est difficile de comprendre comment ils ont fait. Et qui peuvent-ils bien être? Ils appartiennent certainement au clan Iyasu. Seigneur. Si vous me permettez, nous n'avons aucune preuve pour affirmer qu'ils appartiennent au clan Iyasu. Nous avons des preuves.
Iyasu a été victorieux. Il a gagné contre l'armée d'Ishida. Et depuis, il se comporte comme si tout le pays lui appartenait. Le pouvoir ne lui appartient pas. Il doit revenir à notre prince Toyotomi qui en est l'héritier. Avec Sanada Masayuki, je l'ai incité à restituer le pouvoir à notre prince Hideyori. Nagamasa nous appuyait. C'est ce qui lui a valu de mourir. Et la prochaine fois, ce sera mon tour. La situation est grave. Je comprends votre inquiétude. Soyez prudent. Quoi ? C'est toi qui me parles de prudence. Kambi. Un guerrier ne prononce pas ces mots. Kambi. Une fois que j'aurai la tête tranchée, il sera trop tard pour agir. Moi, Kambi, je jure de tout faire pour protéger mon seigneur. Moi, Kato Kyomasa. Je jure qu'aucun ennemi ne parviendra jamais à m'intimider. Iyasu n'est qu'un imbécile. Si tous les seigneurs de la guerre qui soutiennent les Toyotomi s'unissent contre lui, il n'a aucune chance. Il est difficile de supporter un chef aussi lunatique. Écoute-moi, Saru. Oui. Nous les laisserons tuer notre seigneur.
C'est le signal. Ils ont eu Kiyomasa. Viens, on s'en va. À présent, ils sont au paradis et ils sont heureux. Maître, ils n'ont pas opposé de résistance. C'est vrai, ils n'étaient pas très forts. On n'en a fait qu'une bouchée. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas forts au combat. C'est parce que vous êtes particulièrement forts. Et ce ninja qui sautait comme un singe, il était drôle, non? Un ninja, oui. On voit que vous n'avez jamais été blessé par un ninja. Maître, l'arme d'un ninja ne peut pas nous atteindre. Personne ne peut nous atteindre. Personne n'est assez habile. Non. Les ninjas enduisent leur arme de poison. Du poison? Une petite quantité suffit à vous ôter la vie. Oh, ça fait peur, ça. Azumi, ça va pas? Tu as un souci? Oui. Je pense au seigneur Nagamasa. Et à celui qu'on a tué aujourd'hui. Est-ce qu'ils étaient vraiment malveillants? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai. On ne sait rien de ces hommes qu'on a tués. Ils étaient comme nous. Ils avaient peut-être des amis qui les aimaient. C'est pas le moment de se poser ces questions. C'était forcément des méchants. Sinon, on ne les aurait pas tués. N'est-ce pas, maître? Maître! C'est inutile de poser ce genre de questions. Il faut garder un esprit Silence. D'acier. Mangez. On
On a fait notre devoir et maintenant, moi, je vais pisser. C'est une très bonne idée d'utiliser mon sosie. La prochaine fois, seras-tu capable d'avoir raison de cette bande d'assassins ? Sans aucun doute. Je me suis bien amusé à observer tes faiblesses. Mais à présent, le jeu est terminé. Saru. Oui. Prépare-toi à lancer l'attaque. Bien, chef. Regarde un peu ce trou. Waouh, il est magnifique. Ah, on peut dire que t'as de la force, hein. T'en manques pas non plus, toi. Ouais, je sais. Hein, c'est pas vrai? Hein? Vous êtes tous d'accord? Attends. Ouais, ils sont d'accord avec moi. Regarde, hein? J'ai une idée. Quoi? Ouais, regarde. Je vais me faire un trou pareil à la main gauche, ça serait joli, hein. Imbécile. Fais pas des idioties pareilles. Tu connais notre mère, elle sera furieuse. Ouais, et quand elle est en colère, j'ai la trouille. Ah ouais, y'a de quoi. Eh ouais. Fais attention, y'a plein de sang en service. J'ai un client, il a un boulot pour nous. T'as vu ça? Il a une tête de singe. Oh, il a l'air fâché. Alors, c'est quoi ce boulot? Je lis pas. C'est une question de principe. C'est une bande de tueurs. Quand vous les aurez retrouvés, tuez-les tous sans aucune hésitation. C'est urgent. C'est ce qui est écrit dans la lettre. Excuse-les. Ils sont lents à comprendre. Elle est jolie, cette fille. Alors, il y a donc une fille. Il y a aussi un vieil homme, un jeune garçon, deux, trois, quatre. Bon. Et c'est tout? Méfiez-vous. Ils sont très forts. Vraiment forts. On va rigoler. On n'a jamais vu ça, hein? Oh, oh. Là, regarde.
Maître, on peut aller jeter un coup d'œil. Oui, allez vous amuser. Ouais, ah, youpi. On est par ici. Merci d'être venu nous applaudir. Yuga. Bonjour, je m'appelle Yuga. Je suis Yae. Yae? Il a été ton coup la deuxième fois. Bravo. Vous êtes encore meilleur que nous. Venez donc avec nous. Dis, vous vous entraînez depuis que vous êtes petit? Oui, c'est une sorte d'entraînement. Vous êtes des artistes comme nous? Non, mais à force de vivre dans la montagne, on est souple et rapide. Nous nous exerçons aussi depuis notre jeune âge, mais nous ne sommes pas aussi agiles. Depuis votre jeune âge? Oui. Ben, c'est comme nous, alors. C'est joli, ça. Oui, ça vient d'un pays étranger. C'est où? De l'autre côté de l'océan. Bon, allez. On ramasse tout. Le soleil va se coucher. Oui, oui, oui. Vous partez déjà? On doit s'en aller demain. On est une troupe itinérante. Si demain on refaisait notre numéro, il n'y aurait pas de spectateurs. Oh, si, je suis prêt à revenir demain pour te voir, et même les jours suivants. Tu es gentil. Seulement, je vis ainsi depuis mon enfance. Alors, je vous dis adieu. Bonne chance à toi. Venez. Yuga, viens. Ne reste pas là. Saru, rends-toi à la prison de Nishikawa. Pour faire sortir ce type. Œil pour œil, poison contre poison. Ah, Maggie, Yuga, c'est l'heure de se lever. Debout. Oh non. Maître, est-ce que je peux partir? Pas longtemps. Pour aller où? Je veux revoir une dernière fois la troupe d'acrobates. Ah, la jolie fille, c'est ça? Elle peut m'aider à améliorer ma technique. Tu ne vas pas tomber amoureux d'une fille acrobate. Tais-toi donc.
Maître, vous m'autorisez à y aller? Nous partons à midi, sois de retour à ce moment-là. Oui. Je viens avec toi. Moi aussi, je viens. Amagi, tu nous suis? Ils sont d'humeur joyeuse. Ils ne risquent rien. Ah. Oh, Amagi! Debout, ça suffit de dormir. C'est demain soir que notre rencontre est prévue. Oui. Mais les choses tournent mal. Comment ça? Ce n'est pas le seigneur Kiyomasa qu'ils ont tué. C'est un sosie. Nos ennemis ont décidé de nous mettre en pièces. Ils ont lancé des poursuivants. Maître, des ennuis? On a été leurré. Quoi? Kiyomasa est toujours en vie. C'est un sosie que vous avez tué. Il faut partir très vite. Va chercher les autres. Oui. Amagi, je t'ai dit de te lever. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? On s'est bien amusé avec cette petite bande. Moi, j'ai deviné qui tu préfères. Qui est-ce, Azumi? Non, je parle de ce garçon. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ne fais pas semblant. Tu ne peux pas le cacher. Tu es peut-être tombée amoureuse de lui, mais n'oublie pas que c'est un voyageur comme nous. Ah, tu le reverras jamais. Ce sont des rencontres sans lendemain. C'est eux? Les âges ont l'air de correspondre. Et il y a un homme très âgé. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1. Et ils sont plus nombreux. Et il y a plus de filles. Et pas le nombre de garçons. On n'est pas à un prêt. Vous avez vu ces filles? J'en ai jamais rencontré d'aussi belles. Il n'y a aucun doute. C'est le groupe qu'on recherche. Hein? Oh, et ils sont pas comme sur le dessin. Tant pis, on s'en contentera. Bonjour. Que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, messieurs? Hé, où tu vas comme ça, toi? Petite garce, je vais t'attraper! Tu es belle. Viens là, je te ferai pas de mal. Tu es vraiment jolie, hein? Comment tu t'appelles? Je veux connaître ton nom. Dis-le. Laisse-moi te toucher. Enlève ça. Elle est trop loin, Nisae.
fut pas de bêtises. N'approchez pas. Allez. Prends-moi ça. D'où il sort? Recule-toi. Si ça se trouve, c'est eux qu'on recherche. C'est eux. Regarde la fille. Elle est mignonne. Qui êtes-vous? C'est nous que vous recherchez? Exactement. Elles n'ont rien à voir avec nous! Les frères Sajiki ont toujours tué qui bon leur semble. Je comprends. Mais un jour, ce sera votre tour d'être tué. Tu es superbe. Saru. J'ai un travail pour toi. Si tu acceptes ma proposition, tous tes crimes passés seront oubliés. Si je sors de cette prison, beaucoup de cadavres seront à ajouter sur la liste. Vous étiez passés où, tous les trois? Du sang sur vos mains? Nos katanas ne doivent servir qu'à notre mission! Écoute-nous! Yae et sa troupe viennent de se faire attaquer par des hommes qui les ont pris pour nous. On est arrivés trop tard. Les autres sont morts. Il faut partir tout de suite. Kiyomasa est vivant. Celui qu'on a tué est un sosie. Qu'est-ce que tu dis? Hanagi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'effet du poison du ninja. Hanagi! 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 Ouvre les yeux! Dépêchons-nous, il faut partir. Vous voulez qu'on parte? On ne va pas laisser Hanagi, maître. Hanagi est perdu. Comment ?
que vous dites? Vous voulez qu'on le laisse? Non, on ne peut pas être aussi cruel. À quoi servirait tout ce travail qu'on a fait? Oh! Je ne sais plus où j'en suis! N'oublie pas qu'on a une mission. C'est le but de notre vie. On a toujours obéi. On a même tué nos camarades. Des villageois ont été massacrés sans qu'on puisse intervenir. C'est une souffrance d'ôter la vie à ses amis. C'est une souffrance de ne pas pouvoir aider des innocents devant la mort. Alors où est notre mission? Comment l'abandonner? Après toutes ces épreuves qu'on a partagées. Maître. Qui est devant la pointe de ton katana? Rentre ton katana, Ukiya. Ton katana est inoffensif. Un bâton pourrait être plus utile. À ce moment précis, tu ne tuerais même pas un insecte. Crois-moi, tu n'es plus un guerrier. Pas de bêtises, Amagi. Adieu. Adieu, mon frère. Au revoir. Au revoir. Écoute, Yoga. Accompagne-moi à Tango. C'est la ville où je suis née. Azumi aussi. Elle pourrait venir. Tango, excuse-moi, Yae. Mais c'est ailleurs qu'il faut que j'aille.
Voilà une odeur qui m'est familière. Mon odorat est fin. Autant que celui d'un chien. Qui êtes-vous? Moi? Mogami Bijoumaru. On vient de tuer 3 hommes. On peut continuer. Je regrette d'interrompre un moment aussi charmant. Mais tu dois mourir. Elle n'a rien à voir avec nous. Laissez-la partir. Sûrement pas. Être tailladé devant la fille que tu aimes et lui révéler ta faiblesse ne fera qu'accroître ta souffrance. Qu'est-ce que vous voulez? As-tu déjà imaginé ton corps tailladé de toutes parts? Le sang qui te sort de ta bouche. La douleur de plus en plus insupportable. Peu importe que tu résistes ou non. De toute façon, tu vas bientôt mourir. Tu voudrais mourir plus rapidement, mais tu n'as pas le choix. Tu t'imagines ainsi? Oh, un de tes katanas est cassé. Oh non, ça ne va pas. Saru, prête-lui donc ton katana. Ce n'est pas drôle de tuer un ennemi si mal armé. Tiens, prends celui-là. Ne t'inquiète pas pour la fille. Je serais offensé si tu estimais que ta défaite est due à ton unique katana. Sais-tu pourquoi ce katana n'a pas de garde? Je n'ai jamais besoin de me défendre. Dès le premier assaut, je t'immobiliserai. C'est exactement ce qu'on m'a appris. Je suis impatient de voir. Blessé au bras. Tu ne l'avais pas remarqué. Ne t'approche pas! Pars! Je te défends de bouger. Reste là et regarde bien.
Si tu cherches à t'enfuir, je te tue. Ah, tu souffres, n'est-ce pas? Tu voudrais en finir. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je t'avais prévenu. En voilà assez. Le combat est terminé! Face de singe! Si tu gâches mon plaisir, je vais te tuer toi aussi! Allez-y. Vos manières me révulsent. On ne va pas la laisser seule ici. Pigeon dans la rue! Quel sens cela aurait-il de tuer une jeune fille qui n'a rien à voir dans l'affaire? Mais après tout, est-ce que vivre a un sens? Partons. Mais le suivant a intérêt à être plus fort. Sinon, c'est contre toi que je combattrai. Tu as compris? Face de singe. Il a magnifiquement combattu. Nous attendrons Nagato ici. Oui. Il te trouvait très jolie. Je voulais rester un moment avec toi. Il éprouvait des sentiments pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas chercher à te venger? Et un jour, les amis de tes ennemis viendront te tuer. C'est un conflit qui ne finira jamais. Vous allez continuer à vous entretuer? Est rempli de gens mauvais. Il est sage de les éliminer. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Il y a d'autres gens qui peuvent le faire. Il a tué un des jeunes assassins. C'est un samouraï terriblement efficace. C'est un homme très étrange. J'ai du mal à le supporter. À vrai dire, je le hais. Ne sois pas si dur, Saru. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. L'ultime confrontation aura lieu à Gamo. Yeah.
Je me demande où ils sont. Ils sont morts tous les deux. Non, c'est pas vrai. Azumi et Yuga reviendront. Maître Gesai, Kiyomasa se dirige vers Gamo. Gamo ? Oui, maître. Il a prévu de quitter Gamo par bateau. Il faut le rattraper avant qu'il quitte la terre ferme. Nos ennemis nous surveillent. Ils sont au courant de tous nos déplacements. Ils vont continuer à nous suivre. Je le sais. Nous n'avons pas d'autre choix que de lancer l'attaque. Ça pourra vous servir. On va s'amuser. Soyez prudents. Débrouillez-vous pour que ça n'explose pas trop près de vous. Nagato ! Ne touche pas ! Sur vous. Oh, quel beau visage tu as. Et ton cul, tu le vends combien? Qui veut la même chose? Bijomaru, ces gens sont nos alliés. De l'argent! Vous en voulez encore? On peut vous en donner encore. Si vous êtes d'accord pour nous apporter votre aide, vous serez largement récompensé. Azumi, tu sais, quand nous aurons franchi cette montagne, nous ne serons plus qu'à 5 jours de Tengu. Je comprends. Alors, tu pourras bientôt revoir ta mère. Azumi, tiens, c'est pour toi. Je n'ai pas l'habitude. Je préfère ce vêtement-là. Je pourrais cacher mes katanas dessous. Tu es une fille, Azumi. Et puis après? Les filles ne se préoccupent pas de leur katana. C'est presque fini. Voilà.
Tu es magnifique. Tu te moques de moi. Azumi, je ne comprends pas. Ce sont les garçons qui se battent. Les katanas ne sont pas pour nous. Les filles ne tuent pas. Pourquoi toi ? Le seigneur Kiyomasa est dans cette maison. Allons-y. Maître !
Sauve-toi. Pars. Va accomplir ta mission. Ne te soucie pas de moi. File. Allez. File. Et tiens-toi tranquille. Ah, on a une bonne idée de passer par cette montagne. Laquelle je vais choisir, hein? Ne me touche pas! J'ai voulu essayer de faire autrement.
Mais c'est impossible. La vie est un combat. Et je veux vivre. Soldat ! Pardonne-moi, Yay. Je les ai tués. Je n'avais pas le choix. Sans l'enseignement du maître, je n'aurais pas survécu. Nous nous reverrons. Je t'attendrai. Compte sur moi, je t'attendrai à Tango. Saru, je te confie cette tâche. Toujours personne à l'horizon. Oh, je suis fatigué d'attendre. Kanbei est bien trop prudent. Il veut qu'on reste là, à guetter les assassins. Hé, hey, où tu vas ? T'as fait une pause il n'y a pas longtemps. C'est à mon tour. Attends, on tire à pile ou face ? Je prends toujours pile. Et moi face. Il paraît que le plus fort de tes disciples est toujours en vie. Je suis impatient. Qui pourrait venir à ton secours, Gesai ? Qui tenterait de sauver un vieillard ? Hein ? Tu as une idée ? C'est elle. Azumi ! Non ! N'approche pas ! S'il faut que tu viennes. Si tu ne viens pas, il va mourir. Compte sur moi ! Thank you.
Vous vous prenez pour qui? On n'a pas besoin de vous ici, foutez le camp! Vous cherchez quoi? C'est chez nous ici! Dégagez! Foutez le camp! On veut pas voir vos sales têtes! On va vous aider à partir! Allez tous contre eux! Je n'ai rien vu d'aussi excitant. Allume la mèche avec la torche! Yeah!
suis ravi. Regarde, il n'y a plus personne pour nous déranger. Refuser la mort. C'est fini. Tout est fini maintenant. Ukiya et Naga sont morts. Mais je suis encore là. C'est fini. Désormais, tu n'auras pas d'autre mission à accomplir. C'est terminé. Maintenant,
devenir sans mes compagnons et sans vous. Ne pleure pas. Je ne t'ai pas appris à pleurer. Tout est calme alentour. Maître. Parlez-moi encore. Cambéi. Oui. C'est une bonne idée d'entreprendre ce voyage exaltant, hein? Je ne vois toujours pas revenir Saru. On ne peut pas l'abandonner là. Si! Je n'ai pas besoin de lui pour me protéger de mes ennemis. On ne meurt que lorsque son heure est venue de mourir. C'est inutile de s'inquiéter à l'avance. La chance a toujours été avec vous, Seigneur Kiyomasa. Vous ne mourrez pas si facilement. Kambeyi, l'heure de la guerre a sonné. Je vais m'occuper de ce vieux fou d'Iyasu. Il n'y en a pas pour longtemps avant que je le réduise en miettes. Kambeyi. Tu as toujours fait de ton mieux pour me protéger. Je te remercie. Je te récompenserai au retour. Seigneur! Nagara,
Je t'ai retrouvé. Azumi. On est les seuls survivants. Qu'est-ce qu'on va faire à présent ? Asano Nagamasa. Kato Kiyomasa. Notre prochaine cible, c'est Sanada Masayuki. Cette fois-ci, on y perdra la vie. Non, Nagara, on ne mourra pas. Nos compagnons sont tous à nos côtés. Ils combattront avec nous. En route. Thank you.